Bonsoir chers internautes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Kumasi et le sujet du jour est le suivant. Le doigt ou la langue, quelle est votre préférence? N'oubliez pas d'aimer, de partager, liker. Sur ce, à tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va. Dites-nous madame, entre le doigt et la langue, quelle est votre préférence? Bon, je préfère le doigt. Et pourquoi? Ça incite la femme, c'est tout. Ah bon? Oui, oui. Nous, donc, lorsque le doigt est utilisé là, quel est le degré de l'excitation? Bon, ça dépend. Hein. Avec moi seulement, même avec juste un petit doigt, ça passe quoi. Et je suis déjà excitée, j'ai envie de faire le truc. Donc, c'est ça. Quel est le petit secret du doigt que la langue ne fait pas? Bon, il y a les garçons qui ont des 12 doigts, quoi. Ils ont des 12 doigts et tout. Donc, il suffit seulement qu'ils te touchent et puis voilà. Tu es déjà faible. Déjà faible, c'est ça. Donc, raison pour laquelle vous préférez le doigt. Oui, je préfère le doigt. Merci, madame. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va. Dites-nous, madame, entre le doigt et la langue, quelle est votre préférence? Entre quoi? Entre le doigt et la langue, quelle est votre préférence? Le doigt. Dites-nous pourquoi alors? Pourquoi le doigt? Parce qu'on peut toucher tout avec le doigt. Il permet de toucher tout, toutes les parties. Oui, on sait qu'il permet de toucher toutes les parties, mais lors des rapports sexuels, vu que vous avez dit comme ça que c'est le doigt que vous préférez, qu'est-ce que l'homme fait et puis ça vous excite? Lorsqu'il me caresse. Oui. Et puis quel est le secret? Pourquoi le doigt et pas la langue? Oui, je pense que le doigt, c'est plus hygiénique que la langue. Puisqu'il y a beaucoup de maladies, comme les infections transmissibles, les MST, tout et tout. La raison pourquoi vous préférez la langue? Le doigt. Oui, oui. Raison pour laquelle je préfère le doigt. Merci, madame. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Dites-nous, madame, entre le doigt ou la langue, quelle est votre préférence? Le doigt et la langue. Dans quel, je sais pas. Lors des rapports sexuels. La langue. Pourquoi donc? C'est plus, je sais pas, c'est plus satisfaisant. C'est mieux que le doigt. Le doigt aussi, ça va, mais la langue, c'est encore plus. On ressent encore plus, je sais pas, le plaisir. Mais qu'est-ce que l'homme fait plus? Vous êtes attiré par la langue? Là, si ton homme sait bien s'y prendre avec sa langue. Tu ne vas même pas demander à ce qu'il te pénètre, en fait. Désolée hein, d'être direct comme ça. Tu ne vas même pas demander à ce qu'il te pénètre, parce que là, en tout cas, si toutes les femmes qui... Je ne sais pas comment... toutes les femmes qui ont été bien prises de ce côté-là, elles seront d'accord avec moi. Et pourquoi pas le doigt? Non, le doigt, je ne suis pas contre. Hein. Mais moi, en tout cas, si on me demandait de choisir, ça serait plus la langue. Sinon, le doigt aussi, ça va mal. La langue, c'est encore mieux. Il fait avec la langue. Il commence comment et puis ça vous a marqué. Ah, mais c'est lui, celui-là, il a le secret. Il veut pas dire son secret. Merci, madame. Merci, je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Dites-nous, madame, entre le doigt ou la langue, quelle est votre préférence? Pardon? J'ai demandé entre le doigt ou la langue, qu'est-ce que vous préférez pendant les rapports sexuels? Le doigt. Pourquoi le doigt? Je me sens bien par le doigt. Mais comment ça se passe lorsque l'homme utilise son doigt? Qu'est-ce que vous ressentez au fait? Je ressens un plaisir. Je sais, mais si vous pouvez nous expliquer, parce qu'on est entre femmes. Ils ne sont pas du tout. Oui, on ne peut pas tout dire, mais le peu, quoi. En tout cas, je n'ai pas envie d'expliquer tout ça. Il n'a pas envie de tout expliquer. Oui. Oui. Donc, c'est secret, quoi. C'est secret. En tout cas, c'est secret pour moi. Non, mais on ne cache rien ici. En tout cas, moi, je ne vais pas pouvoir tout te dire.
Non, mais vous préférez le doigt et pourquoi pas la langue? Quelle est la différence entre le doigt et la langue? La différence entre le doigt et la langue. Il n'y a pas de différence, mais pour faire le doigt. Merci, madame. De... Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, et vous? Dites-nous, madame, entre le doigt et la langue, quelle est votre préférence? Je n'ai pas compris la question. Le doigt ou la langue, qu'est-ce que vous préférez pendant les rapports ce soir? Ou la langue. Bon, le doigt. Pourquoi le doigt? Comme ça? Non, mais le doigt a dû faire quelque chose qui vous a marqué. Expliquez-nous donc. Le doigt... Bon, c'est le doigt. Je ne sais pas pourquoi, mais le doigt... Oui, oui, mais lors des rapports sexuels, qu'est-ce que le monsieur a fait et puis ça vous a marqué et puis vous êtes scotché sur le doigt? Bon, on peut dire avec son doigt, bon, son doigt touche la partie sensible de mon corps, un truc comme ça. Bon. C'est ça. Mais lors des pénétrations, comment il vous pénètre avec le doigt? Il ne sait pas comment répondre à ça. Mais expliquez-nous, on est entre copines, on est entre femmes. Je sais, mais bon, c'est un peu bizarre, je sais pas comment expliquer. La région t'es doux là, c'est bizarre. Non, c'est bizarre à expliquer. Mais quelle est la différence entre la langue ou le doigt? Bon, disons que le doigt il rentre en profondeur. Bon, la langue, bon, ça rentre pas trop. On peut dire ça. C'est ça. Quand le doigt rentre en profondeur là, qu'est-ce que vous ressentez? Du plaisir. Et puis le plaisir, juste après le plaisir, quel est le ressenti? Ah. Sérieux, c'est pas quoi dire. Merci madame. De rien. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Dites-nous madame, entre la langue et le doigt, que préférez-vous? C'est une question tellement compliquée. Mais moi, je dirais que chaque femme a sa préférence. Donc, pour ce sujet, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Vu que chaque femme a sa préférence, mais généralement, qu'est-ce que les femmes préfèrent? Vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas, en fait. Non, mais vous-même, vous savez que occasion en cause et puis entre copines en cause. Donc, on peut se dire aussi dans l'anonymat, en fait. Donc, selon vous, qu'est-ce que les femmes préfèrent? Franchement, comme je vous l'ai dit... Chaque femme a sa préférence et je suis là-dessus, quoi. Bon, je ne peux pas savoir ce que les femmes préfèrent et que d'autres, en tout cas. Entre les deux, en tout cas, c'est compliqué. Je ne peux pas vraiment expliquer. C'est un sujet qui me dépasse, en fait. Voilà. Un sujet qui vous dépasse. Voilà, ça me dépasse. Donc, vous ne pouvez pas vous prononcer. Voilà, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Merci. Ok, merci à vous. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez aimé notre... Toutes nos intervenantes, n'oubliez pas d'aimer, de partager, liker. Je vous aime. Au revoir.